Eh bien, nous revoilà encore sur ce Call of Duty Ghost. Et cette fois-ci, on se retrouve sur quelque chose que pas mal de gens d'entre vous m'ont demandé. C'était le mode extinction, donc c'est, on va dire, le mode zombie, mais en version Modern Warfare, parce qu'à savoir que c'est un jeu développé par Infinity Wars, donc on n'avait jamais eu droit à un mode de ce genre, à part le mode survie qui avait fait son apparition sur Modern Warfare 3. Donc c'est un petit peu, je dirais pas pour contrer ou pour concurrencer, c'est plus pour ajouter quelque chose que la communauté demandait. Mais voilà, c'est pas ce qu'on peut appeler quelque chose, une expérience aussi positive que j'avais ressenti en zombie. J'ai aussi fait une partie en solo, bah j'ai fait qu'une partie en solo. Et malheureusement en solo, bah c'est vraiment mou. Y a pas un grand intérêt à y jouer. Ça c'est un petit peu dommage, donc ici j'avais fait aussi une rapide petite partie, je crois que ça va durer 2-3 minutes avant que la connexion bug. Comme ici par exemple, ici en multijoueur online. Bah c'était déjà un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça, hein. C'est pas encore ce qu'on peut... C'est pas là-dessus en tout cas que vous passerez la majorité de votre temps. Ça je trouve un petit peu dommage. Donc cette fois-ci, on n'a pas vraiment des capacités comme on pouvait avoir, par exemple, récupérer Mastodon, des choses comme ça sur Black Ops, par rapport aux zombies. Ici, on est plus sur un système de skill points, en fait. Et en fait, vous appuyez simplement sur back, et là, vous attribuez... donc ça, c'est à chaque partie, hein. À chaque partie, vous pouvez redémarrer, on va dire, votre tableau des scores. Donc voilà, vous accumulez toujours aussi de l'argent quand vous tuez un ennemi ou quand vous faites une assistance. Et le mode de, on va dire plus ou moins l'intérêt de ce jeu-ci, c'est par exemple d'aller poser une espèce de foreuse pour détruire ces espèces de tentacules, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des nids ennemis, je sais pas non plus. Simplement en fait, on n'a que ceci à faire, c'est plus ou moins objectif, donc détruisez les nids. Vous devez aussi le défendre votre foreuse, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Et si jamais il y a un souci, vous pouvez également la réparer, il n'y a pas de raison de s'en faire. Mais voilà, ce n'est plus vraiment un système qu'on en avait sur plein de cartes différentes en... C'est laquelle celle-là? Qu'on avait sur Black Ops 2 ou sur Black Ops 1, hein, tout ce qui était zombies. Il n'y a pas de manches supplémentaires et compagnie, donc c'est simplement une progression sur une carte. A savoir que pour le moment il y a une seule carte, je suppose que le reste arrivera sous forme de DLC, hein, parce qu'on a toujours la main sur le portefeuille avec les Call of. Même s'il y a moyen de se contenter vraiment de ce que le jeu offre de base. Mais je me vois mal claquer du pognon dans un mode de jeu qui est pas aussi jouissif que le mode zombie. Pas vraiment non plus le réel intérêt que j'y mettrais au niveau temps. Maintenant je dis pas que ça peut pas être amusant, hein. Vous pouvez faire des parties avec vos amis, ici je suis tout seul malheureusement. Avec des gens du live que je connais pas spécialement, mais il y a moyen de se taper des bonnes soirées. Mais c'est pas là-dessus que moi je passerai la plupart de mon temps sur ce jeu. Et ce que je regarde aussi, ouais, voilà, je vais tomber par exemple un cours de munitions. Et pour récupérer des munitions, soit il faut attendre la fin de manche, je crois qu'en multijoueur on récupère de toute façon des munitions, il y a des espèces de petits pactages de munitions par terre. Mais en solo, ça, il n'y a pas du tout moyen de les récupérer. Je pense que ça, il faut directement les acheter. Donc via la croix directionnelle, vous avez par exemple plusieurs équipements possibles à acquérir. Vous voyez par exemple, le coût des munitions est extrêmement cher. C'est 1250 pour récupérer des munitions. Autant vous dire que quand vous récupérez une arme, c'est 250. Enfin, on a aussi un petit bonus à chaque fin de forage. Donc vous récupérez des munitions assez rarement. Ouais, par exemple ici on n'en a pas eu, hein. C'est bien ce qui me semblait. Donc je vais être obligé de claquer du pognon pour les munitions. Je sais pas par contre si les alliés peuvent les ramasser aussi. Ce sera quand même assez bien.
Donc j'ai 2 points de skill. On va essayer de les assigner pour les munitions. Et pour les dégâts, ça peut être pas mal non plus. Voilà. Donc en fait, simplement ces munitions-ci, bah, ces skill points vous offrent par exemple des possibilités d'avoir des compétences pour faire plus de dégâts, récupérer directement beaucoup plus de munitions de base. Ou alors je crois que c'est récupérer avoir une capacité maximum ici d'armes supplémentaires. Simplement ceci en fait. Et donc tout ce mode de jeu repose sur une progression de forage, de défendre son point de forage et d'attendre le suivant. Et chaque fois vous avez des vagues ennemies bien sûr à chaque ah pas mal ça à chaque forage en fait. C'est simplement ceci, c'est plus des vagues qui viennent à sans objectif principal, mais simplement ceci en fait. Quand même pas mal de petites armes différentes. Ouais, il faut faire attention, par exemple ceci ce sont des tourelles et vous pouvez aussi obtenir des tourelles en les achetant vous même pour les placer, mais le problème c'est que c'est pas des tourelles guidées, ça c'est un petit peu dommage parce que vous êtes monopolisé sur cette place et en plus faut faire gaffe aux munitions de la tourelle parce que c'est pas des munitions illimitées, c'est vraiment des munitions munitions très limitées. Ça pourrait faire penser à un survivor, mais je vois pas du tout l'intérêt de placer tous les éléments d'un survival sur un jeu sur un FPS, parce que c'est vraiment un cas FPS, un Call of en plus. Je vois pas l'intérêt que ils aient fait ça. Ouais, ça à mon avis c'est un allié qui a acheté des munitions. Ça peut être pas mal à ce niveau là de jouer à plusieurs pour tout ce qui est munitions et autres. Ça vous évite de débourser vous-même 1250 dollars dans le jeu pour vous-même en fait. Donc ça se partage avec tout le monde, ça c'est pas mal. Mais c'est quand même clairement pas là-dessus que je prendrai mon pied très longtemps. Surtout sur une carte, hein. C'est un petit peu pauvre comme contenu. Beaucoup de gens se posaient la question sur le mode extinction et c'est quand même une petite déception à ce niveau-là. C'est pas une grande déception pour moi parce que j'ai... C'est pas ça que j'attendais de ce jeu. Mais ça peut... Ça peut décevoir quelques-uns. Ouais, j'ai encore un point de compétence. Et celui-ci, Faster Adage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, je vais pas utiliser tout ce qui est système explosif et autres avec la... Ouais, on va équilibrer ça sur les deux premières compétences. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ça a explosé littéralement sur moi. Ah ouais, et les aliens, moi ils me font penser un petit peu à Duhalo. Je sais pas pourquoi. Ou de Destiny, je sais pas, ils ont un petit look sympathique. Mais je comprends quand même pas pourquoi ce choix des aliens, je sais bien qu'on est placé dans le futur. Comme toujours. Ouais. Je me fais court-circuiter par le... Par la porte, vous voyez par exemple aussi, par exemple, vous voyez une jauge de vie. Et en dessous vous avez une jauge d'armure en fait, simplement. Ah, je me retrouve déjà sans munitions. Faire ça, petit pistolet. A savoir que vous ne pouvez pas par exemple acheter deux armes principales, vous avez soit le choix d'une ou l'autre, mais vous gardez à tous les coups votre pistolet. Par exemple ceci me demande de placer ça sur sur l'autre pour remplacer mon arme que j'ai acheté tout à l'heure. Il va me foutre la paix celui-là. Ouais. Bah, j'aurais fini la manche avec le pistolet, c'est pas mal. C'est quand même autre chose que le pistolet qu'on avait dans Black Ops, hein. Il fait un petit peu plus de dégâts quand même. Hein. Moi,
Je vais voir si ça se partage avec les alliés, les munitions. Ouais, il y a l'air. Ça, c'est pas mal. Donc une fois que vous avez détruit la majorité ou tous, je ne sais pas exactement s'il faut tous les détruire ou s'il y a un nombre prérequis de nids à détruire, vous avez fait en fait simplement l'arrivée d'un hélicoptère qui en fait débloque cette zone-ci pour poursuivre en fait la progression de cette carte en fait. Un petit peu de temps à se mettre en place quand même. Hein. J'ai encore de nouveau des points de compétences. On va les mettre sur ceci. C'est bizarre parce que j'avais fait lors de ma première partie, ça donnait plus de dégâts. Je sais pas. Quand tu veux, toi. Vous voyez, au-dessus à gauche, vous avez vraiment la barre de vie à mon avis. Je ne sais pas s'il faut nu également tirer dessus. Ou si on va laisser faire l'hélico. À mon avis, c'est simplement laisser faire l'hélico parce que je vois mal dépenser toute la. Cacher une munition là-dessus. Ouais, ça c'est la. Il y a plusieurs types d'aliens différents en fait. Donc il y a les simples comme vous avez vu tout à l'heure, il y a les plus gros comme vous venez de voir maintenant qui sont déjà un petit peu plus résistants, qui ont une espèce d'armure sur eux. Et je sais pas si on aura l'occasion de voir la troisième, je pense qu'à cette à ce stade si oui, mais. Donc c'est une espèce d'haleine aussi mais qui nous crache une espèce de venin acide, je sais pas exactement. Ouais, je suis en train de cramer, je sais pas s'il me crame là. Ouais. Ouais, c'est de plus en plus tendu. Ça a quand même beaucoup plus de gueule une fois que vous êtes en multijoueur. Un conseil, ne lancez pas ce mode de jeu là tout seul. Peut-être pour le découvrir comme moi je l'ai fait, pour découvrir un petit peu le mode de jeu, les objectifs, ce qu'il faut accomplir. Mais tiens, des dollars, ça me plaît ça. Mais voilà, tout seul, ce sera pas ce qui sera le plus amusant du monde. Ah, pas mal ça, 3000 de cash directement. J'en veux bien plus souvent. Donc lui voilà par exemple ici il a pris la tourelle qui était positionnée sur la carte je pense. Je pense pas qu'elle y était de base. Ah si celle-là était de base. Je vais bien vous le montrer hein, tant qu'on est en multijoueur. Vous pouvez aussi placer vos tourelles. Elle vous coûte 1100$ dans le jeu. Et vous voyez que j'ai je crois qu'on démarre avec 100 balles en fait simplement. Il faudra faire gaffe à vos munitions. Maintenant c'est qu'un dévastateur. Ça coûte moins cher que les munitions et vous avez vraiment un point de défense et donc ça se discute sur le choix de stash. Hein. Vous voyez par exemple celui-ci, un point de mélange. Toujours cette possibilité de faire revivre vos alliés quand ils sont à terre. Je sais pas comment elle a fait son compte le mec. Par contre moi je vais tomber vite à court de mission. Et là on a notre foreuse qui subit pas mal de dégâts. Ils sont plus en plus nombreux. Là je deviens franchement full weak. Avec mon autre arme, ça m'évitera de récupérer des munitions. Tant qu'à faire, je vais également sauver l'allié. Ouais, si j'y arrive. Hein. Oh là 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 là. Je ne sais pas non plus si si la foreuse subit trop de dommages, si on perd la partie ou pas. Ouais, je vais en profiter pour faire revivre les alliés pour le moment. Ouais, avec un petit peu moins d'ennemis. On va réparer cette foutue foreuse, on va voir. J'ai pas envie de tester pour voir si. Ah, j'espère qu'il va me couvrir. Il m'aide pas du tout, super. Super. Oh, il a servi à quoi le mec en fait? Pourquoi ça c'est pas mal, toujours autant de munitions une fois. Une fois par terre.
Ah voilà, on a perdu, j'aurais peut-être pas dû le sauver finalement, il n'a pas été très utile, ou j'aurais peut-être dû vous montrer s'il y avait quelque chose qui se passait quand la foreuse était au minimum, ou si elle était indestructible, ou il fallait juste la réparer. On va quand même lancer une deuxième... Ah, j'ai débloqué un nouvel item, tiens. Donc il y a aussi cette progression de... Vous avez vos propres niveaux comme on avait dans les zombies. Maintenant on a carrément des niveaux vraiment mis tel quel. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, on va relancer une deuxième partie, on va faire rapidement une deuxième. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être relancer, ce sera plus simple. Bon, donc il y a aussi un classement du mode extinction. Je trouve pas ça franchement utile. Ah, il y a aussi des items à acheter et des autres armes de départ. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Par exemple ici ça me donnait 30% de capacité en plus. Donc ça ce sera ce que vous démarriez dès le début. Hein. Ça c'est tracker quand, à la place d'avoir les explosifs. Donc on peut choisir l'IMS comme assigné. Et ici... Ouais, je sais pas ce que c'est. J'espère que j'ai le temps de la mettre. Ça on verra un petit peu ensemble ce que c'est. Donc vu qu'ici je n'ai pas eu d'autres réclamations à part ce mode extinction, si vous avez d'autres modes de jeu qui vous plairaient que je teste pour vous, si vous n'avez pas le jeu, n'hésitez surtout pas à nous faire une petite réclamation. Hein. Je ferai ça avec plaisir pour vous contenter un maximum possible. Voilà, ça commence. Donc là, on est, je ne sais pas combien on est. On est, bon, on est 4. Tout à l'heure, on était 3, c'est pas plus mal. Ouais, je peux y arriver avec ce couteau, moi. Excuse-moi, je peux te tuer, oui. Mais ça, j'aurais pas pensé qu'il l'aurait fait, mais c'est pas mal. Donc c'est cette progression que vous avez en multijoueur sur tout ce qui est équipement possible d'utiliser lors de ce mode extinction. C'est une bonne chose à porter. Mais j'aurais préféré qu'il me fasse un système de manches, je sais pas. De manches avec plusieurs cartes différentes, parce que ça va être assez monotone dans ce mode de jeu. Hein. Il va falloir débourser, passer par la case portefeuille pour pouvoir continuer à prendre un peu de plaisir à jouer, parce que ça va pas être amusant non plus de jouer tout le temps sur cette même carte. Elle est quand même pas mal cette petite arme. J'ai déjà des points de skill. On va mettre ça. Ça aurait été bien généreux de leur part de nous donner des grenades, hein, parce que quand il y a un amas...
Ouais, je pourrais pas la finir sans prendre de munitions malheureusement. Bah je dis ça, c'est trop tard, hein. On finit justement la manche. Mais c'est pas mal, j'ai l'impression que plus on est, plus il y a d'ennemis. Et ça c'est pas mal, ils ont quand même ajusté la difficulté par rapport au nombre de joueurs. Ça c'est une bonne chose qu'ils ont implanté. J'espère que je serai pas le seul pigeon à acheter des munitions pour tout le monde. Hein. Ça aurait bien que je l'avais entendu celui-là. C'est quand même très très mobile hein, ce petit. Bon, rassure-moi, je ne vais pas crever avec ces. Je vais quand même me rapprocher des alliés, on sait jamais. Voilà, on fait des munitions. Mais la jauge de vie est quand même assez conséquente. Hein. Vous voyez que c'est pas que mon zombie. Je me ramasse pas deux coups de zombie, je suis mort. Hein. C'est quand même assez résistant. Il y a moins de rester longtemps en vie tout en se faisant agresser. C'est lent. J'ai quand même deux points de skill, je vais essayer d'aller au maximum, tiens, de... Ah oui, ça coûte deux en fait, les dernières. Bon, bah on va essayer d'accumuler le plus possible de points pour débloquer ceci. Hein. Je sais pas s'ils ont remarqué qu'il y avait encore un autre à détruire. Hein. Ce serait mec qui le lâche. Merci. Je suis tombé avec sa plaie donc. Je vais me choper ce rocket que j'ai vu à la partie précédente. Voilà. Ah ouais, quand même. Par contre, 5 roquettes, c'est un petit peu pauvre. Hein. Donc vous voyez toujours aussi en gauche la progression. Casser les couilles, celui-là. Ce serait pas mal, n'empêche que les alliés regroupent tous les ennemis d'un coup sur moi. Voilà, il y en a plein, c'est bon. On va essayer de faire ça, je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Je sais pas où ils sont tous, là, j'ai vu vraiment un gros amas d'aliens arriver. Bref. Parce que si pour une roquette à chaque fois pour un ennemi, ça va pas être très vite rentabilisé. Ah oui.
Non, je regardais s'il y avait un allié qui était peut-être bien avancé, parce qu'on aurait dit qu'il tirait avec un espèce de prédateur. Pas hein, super. Donc voilà, là on arrive toujours au même moment. C'est chaque fois la même chose. Placer ça ici en attendant. Faire un petit peu de ravitaillement une fois que je vais utiliser mes deux roquettes sera pas mal aussi. Est-ce que j'ai mes fameux deux points? Oui. J'ai l'impression que les munitions... Je sais pas ce qu'il veut lui. Je ne sais pas si les munitions... J'avais pas l'impression, hein, donc j'ai pas récupéré de munitions pour les roquettes, donc à chaque fois il va falloir acheter un roquette. Qui coûte 2000. Peut-être faire un coup de roquette pour voir si ça... Je ne sais pas. Bon, dernière roquette. Hein. Bon, l'alien est venu au mauvais moment. J'essaie de rechoper l'arme que j'aimais bien. La K12. Voilà. Donc il y a aussi des snipers disponibles sur la carte et des fusils à pompe, du moins c'est ce que j'ai vu pour le moment. Ma deuxième usateur. Merci. Donc tout à l'heure je n'ai pas réussi à prendre celle que je voulais. Ah bien ça. Bien généreux de sa part en tout cas à l'allié. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je voyais tous les ennemis à travers les murs, hein. Sûrement, certainement une compétence que j'ai ramassée dans la valise de tout à l'heure.
J'ai l'impression que c'est plus difficile qu'à 3 en fait. À 3 c'était bien équilibré. Ah bien équilibré. C'est beaucoup plus accessible, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ennemis par rapport à tout à l'heure. Bon ça va, le mur est déverrouillé. Ah bon? Aurait-on déjà fini? Bon, je peux pas ramasser l'argent. Bon, c'est un petit peu celui-là ce que j'ai fait. J'ai remis la foreuse juste sur la boue. Ceux-là j'ai pas fait gaffe, je les ai pas vus. Ouais, ils sont assez violents hein, ceux-là. Ouais, très violents. Ouais. Alors là, il y a peut-être une faiblesse sur... Ah bah dis donc, je l'aurais quand même eu hein, même si j'étais à terre. Je remercie l'allié en tout cas pour m'avoir sauvé. J'ai un point de compétence, celui-ci en nécessite 3. Bon, peut-être passer sur autre chose hein. Eh ben j'espère qu'on va quand même essayer d'aller plus loin que la manche passée hein, puisqu'on a... Ouais non si. Ouais, là, par contre là. La foreuse subit pas mal de dégâts. Je sais pas si c'est l'acide, ouais c'est ça qui fait pas mal de dégâts. Et qu'il y a aussi quelques animations, bah quelques animations, je sais pas si je veux dire ça comme ça. On peut activer par exemple ceci pour faire une bonne zone de défense, ça c'est pas mal. Laisse-moi passer toi. Waouh, je vais pas faire l'enfeu sur cette ville. Waouh. Il me reste vraiment plus de vie là, si je me prends encore un coup je crois que c'est mort. C'est bon, oui. D'accord, donc aussi on a 2 points. Je ne sais pas s'il y a une moyenne de 3 points entre chaque passage de progression. J'ai un petit peu changé, tiens. Oh, fusil à pompe. Je trouve pas très efficace ce fusil à pompe et il a très bonne munition. Ah, c'est le même fusil à pompe que j'avais trouvé lors de la campagne. Là,
le pistolet fait limite autant de dégâts en fait. Quand ça s'est pas mal, on a plein de munitions, tu vois qu'on est en barou. On est toujours aussi utile une fois par terre. Par contre, bon, je vais bientôt mourir. Parce que 10 secondes pour survivre. Là, je vais devoir, si ça se met, attendre la prochaine manche. Ah, tout juste. Super bien joué de la part de Ali qui m'a quand même sauvé vraiment la limite de, du temps. Par contre, je sais pas ce que c'est ça. En plus, j'ai pas une bonne arme quoi. Je vais essayer de trouver une bonne petite arme. Je sais pas s'il y a ça dans le coin. Super. Les ennemis sont de plus en plus violents, j'ai l'impression. C'est de plus en plus résistant. Oh, deuxième fois que je suis à terre, super. Il n'y en a plus qu'un en fait, un allié. À mon avis, il va pas pouvoir nous sauver tout ça. Non, ça va être foutu pour moi. Ouais. Donc voilà, une fois que vous êtes mort, bah c'est la première fois que je suis mort, donc c'est façon de nous présenter. Donc on se retrouve directement en mode spectateur. Simplement. Donc voilà, c'était plus ou moins ce que je pouvais dire sur ce mode d'extinction. Donc c'est du pseudo-zombie remplacé par des aliens. Il n'y a plus de manches, c'est vraiment, excusez-moi. C'est vraiment un système de progression simplement, avec aussi de progression pas uniquement dans les cartes, hein, vraiment une progression au niveau du multijoueur où ce que vous avez moyen de débloquer différents items selon les niveaux que vous passez, et vous avez un système d'attribution de points pour augmenter vos compétences et non les ramasser, d'aller les payer dans le jeu. Il suffit d'assigner vos points que vous gagnez lors de chaque fin de destruction de nid ou de passage de ce jeu en fait. Voilà. Donc mon avis est quand même assez réservé par rapport à ce jeu, hein. Je suis pas super conquis, je suis pas non plus le grand joueur zombie, donc c'est pas là-dessus que j'ai passé la majorité de mon temps, mais c'est quand même c'est un petit plus quoi. Mais voilà, ça aurait été mieux que ça soit un petit peu plus travaillé au niveau justement de ce que c'est un peu mou hein, par moment. Et c'est assez monotone. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent plus de cartes, parce qu'une carte franchement ça fait un peu pauvre pour un jeu à 60€, hein, donc c'est un petit peu, même si c'est pas le but non plus d'avoir tout ceci, mais voilà quoi, c'est un petit peu dommage d'avoir si peu de cartes, hein. Donc voilà, à la prochaine.